Patias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va faire travailler sur un thème, le démarrage arrière. Donc le démarrage arrière et ses variantes, parce que bien sûr pour un démarrage de jambes arrière j'ai appris de deux manières. Alors, il y a une manière où c'est, j'ai envie de dire, à l'ancienne, que j'ai appris ici en Martinique, et une manière que j'avais appris dans les stages Adidas avec les entraîneurs de l'équipe de France. Donc avec bien Monty, Cachet, tout ça, vous avez pu suivre à l'actualité en 2016 tout ça quand j'avais fait ces stages, le stage Adidas. Donc voilà. Donc j'ai remarqué qu'il y avait deux variantes de démarrage arrière. Donc je vais vous faire découvrir ces deux variantes là, deux manières de le faire pour moi. Et on va dire que j'ai pas vraiment de choix spécifique entre les deux, mais bon, vaut mieux savoir les deux, comme ça au moins c'est plus facile après pour démarrer le combat. Donc voilà. Donc on va aller dans ma salle d'entraînement et c'est parti, on va aller enfiler le kimono et je vais vous démontrer ça. Donc voilà, alors pour le démarrage en arrière, donc ce que j'aime bien moi avec le sac, c'est qu'on peut travailler, on va dire, plein pot. On sait qu'au karaté on doit contrôler au niveau du visage, on peut taper plein pot au niveau du corps, mais avec le sac ça me permet de travailler ma puissance, renforcer les poignets, parce qu'on peut souvent travailler. Alors je vais vous parler du démarrage en arrière, mais ce que j'aime bien avec le sac, c'est qu'on peut être là, du coup on peut taper plein pot sur un yaku, ça forme les poignets, sur un kizami. Moi j'aime bien. Donc voilà. Donc pour le démarrage arrière et ses variantes, alors moi j'aime bien le twister, c'est-à-dire celle que j'ai appris à l'ancienne, c'est le twister, c'est-à-dire on est là, bam bam, on est éducatif, bam bam. Vous voyez, vraiment le bam bam. Pour ensuite vraiment travailler cette hanche, le hara, vraiment. Le karaté c'est le hara, c'est vraiment bam. Ici, bam bam, bam. Et le démarrage ici, on doit faire comme si on voulait faire ça. Pour bam. Vous voyez, bam. Tout sort de la hanche. Tout sort de la hanche, ici. On fait ici. Deuxième variante, ce que j'aime bien, bon alors celle-là c'est ce que j'avais appris au stage Adidas, c'est le pied comme les starting blocks, vous savez, ce qu'ils font de l'athlétisme, bam, les starting blocks. Pour moi c'est le même système. Le premier ça partait tout du bam bam, le suivant du hara. Alors que la deuxième variante c'est, ça part du twist. Vraiment cet appui là qui fait que boum, ça démarre. Prends cet appui, boum. Pour moi il est un peu plus rapide. Donc c'est là, on se prépare. Ici. Et ensuite on peut passer. Merci d'avoir visionné ma vidéo, donc elle était très courte, ce sont les démarrages et ses variantes. On espère qu'elle t'a plu. Donc voilà. J'essaie de faire un maximum vite parce que c'est pour profiter de la famille, tout ça. Donc je suis un peu entre les vidéos, tout ça. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à venir voir alors. J'ai parlé du hara sur la vidéo. J'hésite à aller voir ma vidéo, comment sentir l'énergie en karaté, le hara, qui a fait 1000 vues. Je vous l'ai présenté hier, mais je vous la représente. Et la respiration et le chi, qui a aussi fait 1000 vues. Voilà, c'est très important. Donc, allez visionner ça. Et ici pour t'abonner à ma chaîne.